Hello, bonjour ou bonsoir depuis votre position. Je me présente, je m'appelle Sibiuti et sur ma chaîne, nous parlons des faits de société, les faits divers, les actualités buzz. En gros, tout ce qui se passe dans la société ou dans notre société. Allez, go, parlons sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud et de la France. La différence en matière de l'évolution, la technologie, l'avancée réelle, rapide et l'efficacité de la Corée du Sud par rapport à la France. Simple exemple, les arrêts de bus en Corée du Sud via les arrêts de bus en France. Regardez, admirez et contemplez la vidéo. Vous allez apprécier. Attends, c'est quoi cette détection faciale? Vas-y. Hey, t'as dit quoi, frère? Il t'a dit mets ton masque. Vas-y, mets ton masque, tu vas voir, ça va s'ouvrir. Voilà. Oh. Et toi ici, t'es posé, climatisé. Prise. Chargeur sans fil. Sans fil. Attends, vas-y, pose en bas. Incroyable. Regarde là, t'as la caméra pour voir quand ton bus arrive. Mais c'est incroyable. Là, c'est trop. Et ça, en fait, de base, j'en avais pas. Mais ils ont mis ça pendant le Covid et tout pour patienter parce qu'il faisait trop froid et tout, tu vois. C'est ouf. Hein. C'est vraiment le turfu. T'as la température, l'indice de pollution, à quelle heure arrivent les bus, dans combien de temps, un truc pour se laver les mains. C'est trop grave la Corée. Les gars, regardez les arrêts de bus en. Ça se fait pas, ça se fait pas de frapper un conducteur. On ne va jamais oublier les savoir-faire françaises que beaucoup de pays nous envient. Mais les gens qui croient que la France est un paradis, s'il vous plaît les amis, détrompez-vous. Car ce français partir en visite ou en vacances en Corée du Sud est complètement sous le choc. L'admiration totale de ce pays et de ce qu'il est en train de voir. Belle leçon de vie, n'est-ce pas? Parlons sans filtre. Merci à vous de passer sur ma chaîne et surtout d'avoir suivi mon émission. Mettez les commentaires.